Bonjour à tous, je suis britannique, j'habite Vitry-sur-Seine depuis 5 mois et je trouve cette ville dynamique. Donc j'ai un voisinage très cosmopolite et qui me va vachement bien. C'est bien le Grand Paris, tout, mais moi je suis handicapée et il n'y a pas de transport pour aller au cimetière à Balzac. Il faudrait des navettes pour emmener les handicapés, si c'est possible. Parce que je sais qu'à Choisy, il y a des petits bus qu'emmènent les handicapés. Alors, je me suis mariée à Vitry, mes enfants sont nés à Vitry. Enfin, je suis vitriote. Hein. Maintenant, je suis avenue du Général Leclerc. C'est très bien, mais il y a une solitude terrible. Déjà, il faudrait, je pense, une salle où un petit peu toutes les communautés se retrouvent un jour, on va faire quelque chose, africain ou antillais, ou que tout le monde se connaisse, tout le monde se retrouve, faire un échange partagé. Le Grand Paris, j'aime bien parce que, monsieur le maire, avec tout le respect que je vous dois, vous en faites beaucoup référence. À qui ça va profiter le Grand Paris? Ça va profiter à qui? À la RATP? Bon, ils vont prendre de l'argent. Concrètement, les habitants de Vitry par rapport au Grand Paris, qu'est-ce qu'ils vont gagner?